Presque. Ah, mais pourquoi presque? Tu vas, ça te coûte. Je veux dire, écoute, vraiment, tu sais, malgré la connerie qu'il faisait, je sais que c'était dur pour toi, je sais que c'est une chose qui est difficile, qui demande vraiment de l'énergie et de mettre de l'esprit, quoi qu'il en ait pas, je sais que tu l'aurais rajouté. Bien sûr. Mais Gérard, vraiment, je vais te dire sincèrement, tu m'as touché. Allez, appelez. Et après, tu passes là avec une note. Tu mettras une fois dans ta... Je sais qu'on est à Lille, qu'on n'est pas à Lourdes, tu n'auras pas de miracle. Mais un 10, tu as l'histoire d'être gentil une fois dans ta vie. Mais bon, regarde, oui, un 10, tu vois. Ou sinon, on était quoi, ça? Non, il y a une 0, ça va te rassurer. Tu veux que je planque ses notes? Sinon, je récupère ses notes, Gérard. Non? Mais attends, on va voir. Allez, les notes des juges, tout de suite, en commentaire. Gérard, généreux, honnêtement, ça. C'était vachement bien. Bon, merci, super bien, Gérard. Et le public a apprécié, c'est quand même important. Ah, c'est le plus important. Ah, c'est le plus important. Le public, il a apprécié. Bon, j'en ai peu. Bon, ben, les hanches étaient bien, mais les bras, c'était plus comme un 7. Ben, c'est quand même bien, hein. Mais je dis rien. Vox Populi, Vox TI, c'est eux qui décident. Tu vois, là, c'est pas terrible. C'est... Mais Jacqueline. Pour moi, c'était un très bon 8. Un 8. Ça monte comme le niveau du brouillard, ça monte. Et attention, Chris Marquez. Allez Chris. Tu m'as touché. Je t'ai touché. Mais ta technique, ça va pas. Regarde. Pas mal, Gérard. Alors, je peux vous dire que ça a